Donc là, on est OK. Spi ici, spi de vilo. De ce côté. Là, au niveau des roulements et des joints, on est OK. L'huile d'assemblage. Ok, nickel. Kit de reconditionnement du sortie de boîte chez Hotrod. Là, vous avez la ref, spi et la bague. Un moteur chaud, c'est bien parce que bon, ça brûle un peu les doigts, mais c'est bien parce que du coup ça rentre facilement le spi. Donc là, hein, on voit qu'il y a un joint à l'intérieur, il va dedans. Hein. Un petit peu d'huile d'assemblage. Voilà. Le vilo. Logiquement, c'est celui-là. On se trompe pas de sens, hein, le ressort à l'intérieur. On est nickel. Impeccable. Ça, on va mettre de côté ici avec les autres spi. Donc normalement au niveau des spi, je suis bon. Après il y a les spi de pompe à eau, du kick. Celui-là, c'est lequel celui-là? Ah ben celui-là c'est la sortie de boîte mais je l'ai déjà utilisé. Pompe à eau, spi. Oh, spi. Pompe à eau, kick, valve, sélecteur. Ah oui, sélecteur. 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 Donc, sélecteur, ça devrait être. Ça devrait être. Un de ces deux-là. Ça me paraît un peu gros pour entrer dans le sélecteur. Et ça me paraît un peu petit. Alors, on va chercher l'axe de sélecteur. Là, comme vous l'entendez, j'ai percé le tuyau de... Percer le tuyau d'air du compresseur. En fait, j'avais le. J'ai nettoyé l'axe autouré et j'avais le tuyau. Le tuyau qui était juste. Qui était collé contre la meule. Contre la meule du touré, du coup. Là, une petite douille de tête pour bien rentrer le spi de sélecteur
Il nous faut le petit speed ici. Ça devrait être celui-là. Bien ça, par contre, voilà. Bon, ça me fait bien chier pour le compresseur, moi. Voilà. Je vais installer là. Hop. Et hop. Comme ça, on est bien. Par contre, je vais décaler la caméra. La caméra, peut-être. Alors, moi, je me mets à plat. Il me faut. Le vélo. Donc oui, je vais monter un autre rod, mais j'ai déjà monté le rod sur les autres motos. Et sur des motos de clients, j'ai jamais eu le moindre problème. Donc je vois pas pourquoi j'en aurai maintenant. Ça. Quand il faudrait qu'il tourne, le truc, ce serait bien. Quand je l'ai commandé, j'ai pas pensé à ça. Bon, ça, je le mettrai après. En fait. En fait, c'était bien qu'il soit sorti. C'était bien qu'il soit sorti. C'est au cas où, hein. Au cas où il se barre. Tac. Alors, mon outil pour le vélo, il est où? Il est là. Alors là, c'est un outil hein, spécial pour pas forcer, parce qu'on tape jamais sur le vélo. Voilà. Alors. Moi, j'aime pas taper sur un vélo. Ça. Allez, c'est parti.
Los Fochetos. Eh non, t'es pas au bon endroit là. Oula, cette lampe commence à m'emmerder. Putain. Bon là, qui est dedans? Ouais, allez. Hop. Voilà. Un peu d'huile d'assemblage. Bon. Hop. Voilà. Hop. Un peu d'huile d'assemblage. Normalement de ce côté, on n'a plus rien à mettre. Logiquement. Logiquement. Ça, c'est la commande de valve. On va enlever le plastique du milieu. Monter avec de l'huile, comme ça colle pas.
Je vais enlever les centreurs de l'autre truc. Donc c'est les joints interface, c'est américain. Interface. Interface. Je vais enlever les plots d'ici. J'espère que ça ne va pas être sans le bordel que les autres. Donc là j'ai les vis neuves pour ici en bas. Petite verte, parce que vu que c'est dans la boîte, j'ai pas envie que ça se barre. De une. Et de deux. Un coup de tournevis à frapper. Ouf. On va mettre un peu parce que ta mère. Moi ça bouge plus. Appuie bien partout, ouais, allez. J'enlève ça. Oh merde.
On est nickel. Ah, vous voyez, avec les bons outils, on n'a pas besoin de forcer, de taper, de faire quoi que ce soit. Ça, il ne faut pas le perdre, je laisse à l'intérieur. Voilà. Donc, ces outils-là, vous pouvez les trouver. Il y a les marques Busetti qui le font, Tusk, Motion Pro, etc. etc. Allez, maintenant on va installer la visserie. Bon, ce côté il est fait, peut-être que je mets bon, je mettrai en dernier ça. Alors, je vais juste mettre le pignon avec ça pour pas perdre la... J'en ai marre que le petit truc qui tombe là. Ça me gêne pas en fait. Alors, pas où, machin. Axe de sélecteur. Axe de sélecteur, faut que je mette après. Donc
Là, on est OK. La cloche. Une belle cloche Hinson, toute neuve. Ah oui, mais avant, mais pas la cloche. Bon, ben désolé, hein. La GoPro en charge, elle tient pas longtemps. Je l'ai chargée tout à l'heure. Non. Avant, j'ai ça à mettre. C'est qu'il me manque des vis qui vont là. Tout à l'heure, j'avais mis ça. Ok. J'ai mis où les vis? Il y en a une là. Et il m'en manque deux. Les deux de tout à l'heure. Il y a un mystère mystérieux là. Qu'est-ce que ça peut m'énerver de chercher tout l'arme dans tous les sens. 1, 2. Ça, ça et ça. Ça c'est pas ça. Là-dedans, ça y est pas. Bon, je vais le mettre juste pour pas retomber dessus. 1 et 2. Bon, le troisième, t'es où? Lui, c'est celui d'en bas, ici. Là, tac, ça, la vis du kick. Putain, je suis aveugle là. J'ai mis là-dedans sans faire exprès. Non. Possible ça.